Non, et Light and Peace Ministry, où est juste arrivé chaque matin et comme chaque dimanche, Light and Peace Ministry rentre la caillou pour yon déjeuner spirituel tant attendu. Et là, commencé journée à comme ça, eh bien, pas caché de vous, les médecins ont un chant qui habitue rouler sous l'élan, ils mettent une parole quand même. Après, c'est gravé dans la mémoire. Un jour, ils ont une parole, ça a chance à permettre de passer une journée. Ou il y a un petit faux pas pour ne pas faire parce qu'on était connecté. Amen. Maintenant, il y a Pasteur Karl Tabdili. Nous sommes le sixième jour, neuvième mois de l'année, moi qui baptisé par Light and Peace Ministry, moi de la crainte de Dieu, nous tirer du livre des Proverbes, chapitre 28, verset 14, écrit par Salomon, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Et j'en ai regardé là, en plus le monde a regardé parcours Salomon, il a regardé nek qui écrit qu'aucune chaîne belle bagaille sa yo dans toute Bible. Il n'a pas cru à Dieu. C'est Salomon qui t'a écrit belle bagaille sa yo. Salomon, il a une réputation comme un feta, un bohémien, un nèg qui. Il n'y a pas de monde qui t'a cru dans la dimension ça. C'est Salomon qui t'a gagné toute belle plume ça pour quitter belle parole ça pour nous. Eh bien, mon Dieu, c'est via mon livre, Jean le côté le. Et c'est ça que fait matin, nous héritier belle barrage ça. Ou même qui n'a pas ça, qui n'a l'élan, pas coûter ça, mon abdiou, mon seul bagaille, pendant que mon a parlé. Ou bon gens ou même pour performer, ou bon gens ou même ou soyez relation avec bon Dieu, eh bien, il y a saisi, ouais, et vous, c'est bagaille extraordinaire. Eh bien, Salomon, dans Proverbe 28, verset 14, l'elle parlait de heureux l'homme qui est continuellement, c'est comme si ils font anticipation dans les béatitudes qui est écrit dans Matthieu 5. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Bien, Salomon, c'est pas comme ça, lui écrit à yo, parce que son monde qui levé dans grand la cour. Le monsieur levé, il te joint papa David, c'est monde qui habitué écrit des psaumes, écrit des prières, c'est monde qui habitué tendre. Belle bagaille dans Zoréli. Et c'est ça que fait, bon côté dans le proverbe, Salomon, c'est proverbe 7, si je ne me pas trompé, il dit, instruis l'enfant suivant la voie qu'il doit suivre. C'est ça que fait, le petit monde a levé, ou bon gens pour y avoir bon comportement pour gagner dans la maison. Et dans le fin discours, Salomon, dans Ecclésias, chapitre 12, dans le fin discours, Salomon dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Mais Salomon, et c'est déjà, ça montre, c'est déjà intelligent de votre part de craindre l'Éternel. Un Dieu si puissant, si redoutable, si juste, un Dieu si fidèle. Mais Salomon, inspirez-nous, Salomon, enseignez-nous la crainte de l'Éternel. Et David, dans l'ouange lio, il était contenté, j'en parole, j'en des paroles, ça y est, dans le cas là. Et c'est ça que fait que dit nous, instruis l'enfant. Et Salomon, levé dans lignée de la famille royale. Et c'est ça, nous prenons le après 40 ans de règne, Salomon pral devenir troisième roi d'Israël.
David ordonna avec prêtre Sadoc, loin de Salomon, comme roi, après lui. Et David, l'elpre al mourir, il était confié et parole ça à son fils, des 12, de ça, monsieur, t'es gagné 12 ans. Il dit, Salomon, je m'en vais. Et Ngalou, Salomon, t'es gagné l'autre grand frère, c'est pas lui qui était grand. Il était grand l'autre grand frère. Mais David, t'es confié, parole ça, il dit, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Ça, c'est pour petite histoire. Et sorti dans la maison de David, li pral mouri à 9 ans en 931 avant Jésus-Christ à Jérusalem de mort naturelle. C'est pas nèg yo assassiné, c'est pas nèg yo empoisonné, pral mouri de sa belle mort. Parce que jodi a des grands sages, des nèg k'ap parler de vérité, des nèg k'ap parler de bagay qui pour utile la société, pour utile le monde. Et bien gen des fois vérité a nèg anvi tout fil, nèg anvi cachil, nèg dicite, mais on sait le bagay gen des vérités, même l'autre pour un béton métallique ou te metel li gen pour le bourgeonner lui sorti aux yeux de tout le monde. Et bien pas de monde qui te ka chire livre sa yo, pas de monde qui te ka ouvran empêcher journal sa yo écrit. Et jodi a en pile monde, en pile sage sur la terre pour le tirer de œuvre de Salomon. Eh bien, Salomon, c'est gagné, et monsieur Damsayo, Amnon, Absalom, Tamar, c'était frère avec Sally. Et la Bible et l'histoire racontée, Salomon était marié avec petite fille, Sarah, Pharaon. Et il t'a pral fait Roboam, et petite li. Et il était gagné environ 700 autres femmes et 300 concubines. C'est pour ça, nous avons pas de monde qui t'a ouais, c'est nèg ça qui t'a pas écrit qu'aucun chien belle baï ça yo, puisque la loi te permet à l'époque, il était vivre dans condition ça yo, il était joui de statut ça. Et Salomon, surtout dans religion judaïsme, Salomon était entouré de prophètes, Adija, des silos. Il y a des grands qui étaient entourés lui à l'époque. Mais les Light and Peace Ministry, les n'a parlé, nous pas voyé monter, nous fait une recherche nous pour nous mettre dans une situation pour comprendre. Côté, bah, ils sont sortis pour arriver jusque là. Et maintenant, et nous, Salomon, et pas seulement les chrétiens d'aujourd'hui. Nous, mais c'est courant, yo. Je te remets Salomon en pile. Salomon, qui était réputé pour sa richesse et sa sagesse de 970 à 931. Salomon, qui était en pile œuvre. Il y a comme œuvre, il était bâti la maison, la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem, sur la fondation posée par David, son père, qui n'est pas capable de continuer à cause mais t'es bien ensemble depuis la mort du riz. Donc on y soit yo. Et le temple Jérusalem, construction qui n'a pas duré près de 7 ans. Et j'ai écrit plusieurs œuvres, plusieurs livres, Cantiques des Cantiques, Ecclésiaste et d'autres ouvrages apocryphes, auteurs pas révélés. Et proverbe, livre que matin, nous jouons qu'aucun ben, chaîne, phrase célèbre ça, n'a pas médité matin et pendant tout mois. Et tout d'abord, la crainte en général, c'est quoi la crainte de Dieu? Différence qui est entre la crainte et la peur. Peut-être nous pas bien temps pour nous élaborer, pour nous chita, pour nous faire tout. Mais, n'a pas dit, d'après ça, monsieur dit, la crainte, c'est un sentiment par lequel ou gen craintif, sentiment de respect. Les avantages de la crainte de Dieu, etc. Eh bien, la crainte en elle-même,
c'est une émotion du cœur. Ou sauter, il y a des fois où on s'y est, ou on peur parfois, ou on inquiétude en permanence à la vue du péril. Bien dans toute bagaille ça yo, nous joignons la crainte qu'on remède. La crainte, dans Somme 34, verset 8, nous joignons une bénédiction qui gagne une crainte pour bon Dieu. Dans Somme 34, verset 8, on a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Nous joignons le verbe là, crainte, campe autour de ceux qui les craignent. Ou les arrache au danger. Mais j'aime d'abdou, lors de la crainte, il y a des fois où on a inquiétude, qui aura palpité, ou par contre ça cause inquiétude là. Mais dans tout remède, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec louange, pour quelqu'un pour nous parler, l'orgue et la crainte, c'est là où en mesure pour faire la louange. Il est un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. L'inquiétude, c'est l'une des sources de plusieurs maladies. Mais parfois, en pile fois, les bâillons multipliés. Et des fois, ou par contre, côté au sorti, ou à poser aux questions. Mais il y a un remède, il y a une prescription qui conduit toutes choses concourent à notre bien. Utilisez maintenant la joie comme un puissant médicament, comme un outil de guérison. Mes bien-aimés, pas de soucis. Et dans nous, la paix intérieure qui est notre grande bénédiction. Regardez plutôt votre délivrance. J'aime t'a parlé nous vendredi soir. N'ayez pas peur de vos obstacles. Et regardez plutôt la délivrance que l'Éternel va vous accorder dans les jours qui viennent. Ne regardez pas les obstacles qui vous font peur. En plus, fois, nous confondons la crainte avec la peur. Mais regardez Dieu dans son omniscience, dans son omnipotence. Cessez de vous plaindre. Ne méprisez pas les bienfaits de Dieu. En définitive, je t'ai dit, lors de la crainte, c'est là où on a condition pour faire louange, pour faire action de grâce. C'est là, belle prière d'intercession, il a monté, a gagné discordance. Et la Bible parlait que tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, mettez-nous dans la condition pour nous capables de glorifier bon Dieu, par la louange. Pendant qu'on a cultivé la crainte, qui c'est un devoir. Et louange, on a parlé pour gagner la crainte, pour faire là, nous quoi, si nous pas tromper, nous c'est un dernier ministère. Il va le gagner. C'est ça nous gagner pour nous faire, pour toute l'éternité, pendant toute la durée. Louange. Et thème ça a venu dans un moment. Pour nous commencer à pratiquer, à exercer la louange, pendant que nous cultivons la crainte, pendant que nous demandons pour nous être craintifs pour ces heures. Depuis qu'on y a, si j'ai à sous table là, pour commencer, c'est tout pour vous qui craignez l'Éternel. Ouais, verbe là, tournez encore, crainte. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. C'est ça, David, papa, dans louange, il a fait. Dans Somme 22, verset 24. Sous Gétan matin, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Sous Gétan matin, à côté des Sommes, c'est Nicole qui fait pour nous matin, dans Somme 112, Somme 111, qui vient avant,
lis tout somme ça matin. Lorsque temps. Mais gagnons un verset clé qui est dans somme 111 là. C'est dans verset 10 là, dans somme 111 verset 10. Côté psalmiste dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc ouais, Salomon est dans bien dans foule là, il était bien, il était levé dans parole ça yo. Il connaissait yo déjà. Psalmiste dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Mais c'est ça qui a attiré l'attention, nous. Pour la crainte de l'Éternel. Donc, ce qu'il faut retenir dans verset, dans somme ça, c'est lorsque Salmislan il fait mention de la crainte. Donc, pour louer l'Éternel, il faut préalablement avoir la crainte de l'Éternel. Même après définition, nous finissons nous te baou, nous tenté baou pour nous sentiments qui culpabilisé au parfois. Mais là et ça nous sent soigné. Verbe là pour nous pour nous l'a loué l'Éternel, l'a servi l'Éternel, l'a fait action de grâce pour l'Éternel, il faut préalablement avoir de la crainte de l'Éternel. Et tu nous toujours à poser cette question. C'est quoi encore la crainte de l'Éternel? Et autant de fois, on nous présente Dieu comme un vengeur, comme Yototomakout, un Dieu qui punit. Non. N'est pas comme ça. N'est pas toujours comme ça. Parce que Dieu ne punit pas seulement. On peut joindre plus à travers la Bible. Il a présenté nous, il a monté nous Dieu comme un Dieu d'amour. Un Dieu qui mérite du respect. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le respect dont nous avons besoin pour lui en tant qu'être suprême. Vous respectez vos parents. Nous respecter proche nous respecter grandette, nous respecter officiel. Sans que ce n'est pas eux-mêmes qui disent, mais ça pour nous faire, mais c'est comme si nous avions un pressentiment depuis l'autorité, ça là, depuis l'arrivée dans la zone, depuis le palais, oubliez nous, l'on patron palais, l'on directeur travail palais. C'est le président de la République, les autorités immigration. Nous prenons toutes précautions pour ne pas en contravention. Et bien des fois, nous manquons respect au bon Dieu. Il y a des présidents, côté les campés, même les corps grattés ou pas envie de gratter suivant, si c'est dans la poche ou dans la ceinture, pour sécurité, pas penser que c'est quelque chose ou rien pour elle faire mal. Mais pourtant, à pile fois, nous manquons respect au bon Dieu. L'air dit non, l'Éternel est de son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Non, pas prouver que nous sommes créatifs pour bon Dieu. Président qu'on vini, officiel là qu'on a retard. Mais l'air vini, pour lui nous murmurer, depuis l'air l'apprentissage, c'est tapis rouge. Il ouvert tout le monde, bat bravo. Parce que l'il est salié. Des matins, si j'ai amendé nous pour nous gagner un peu de craintif, pour mon Dieu, pour nous gagner la crainte, gagner un peu de respect. Le respect, ça se procure. Vous devez du respect à vos aînés, à grandette nous, à l'autorité nous. Eh bien, il en est de même matin. Ou même, pour bon Dieu. Parfois, bon Dieu, pas coincé nous, même si l'homme fait. Mais c'est un devoir, c'est une obligation de respecter Dieu en tant que souverain de l'univers. Parfois, nous frontons, nous manquons respect
ou grand être nous. Eh bien, si parfois nous obéissons, si parfois nous avons désobéi, bon Dieu, nous ne respectons pas Dieu, nous ne sommes pas craintifs pour lui. Psalmiste dit, vous qui craignez Dieu, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. La louange ici est devenue comme un mouvement, peut-être, les pavines au mouvement de défoulement. Gens qui, en pile fois, nous avons affaire au, dans nos églises. Et bien des fois, on a regardé sous vidéo, sur YouTube. Il y a des fois, Jean Moun a dansé. Jean a loué mon Dieu. C'est comme si mon yo a gagné aucun respect pour mon Dieu. Jean a habillé pour faire louange Jean. Jean a déambulé. Jean a ouvert. La manière, il loue l'Éternel. Non, ça a mis ça à attirer l'attention. Pour nous louer l'Éternel, il faut avoir de la crainte. Et des fois, nous disons nous allons faire action de grâce. Et des fois, nous disons nous allons louer l'Éternel. Et des fois, nous disons nous allons journée. Mais depuis avant nous sortir, nous avons tempête de grâce là. Pas demander bon Dieu, si nous avons gagné, si nous avons bail manger. Et puis, dans séparer manger. C'est un tel qui est un bon orgueil, bon mot qui s'appuie dans la bouche. Il n'y a pas de place. Li. Louange, ce n'est pas un bain de foule. Et des fois, on allait, on allait défouler, c'est des fois, c'est pour oublier misère, c'est là où est ta fia, où est, etc. Mais, Abdou Matin, louer l'Éternel, ce n'est pas le mouvement de foule. Jean Bagayo a passé ces jours-ci. Ce n'est pas le carnaval, mais c'est de contempler Dieu, de rendre gloire à Dieu en toute révérence et respect pour mon Dieu. Et si vous ne haïssez pas le mal, les attitudes de pour gagner, ça montre, ça prouve grandement. N'avez pas la crainte ou l'Éternel. Nous ne sommes pas capables de louer mon Dieu si c'est dans la condition ça. Pour le Dieu saint, vous avez besoin d'avoir la crainte et du respect. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Jean, ça je l'ai dit, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Donc, pour posséder cette sagesse, il faut qu'on vous enseigne la crainte de l'Éternel. Et David, papa Salomon, elle a parlé dans Kaila, elle a parlé dans Paléa, et c'est qu'on a révélé, messieurs, dames, Lio. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Mais qui bon, Salomon levé. Mais qui bon, maintenant qui ambiance, Salomon débité. David dit, oh, je vous apprends comment respecter Dieu. Il faut reconnaître que notre Dieu, il est un Dieu saint. Et en tant que tel, nous lui devons du respect. Nous devrions marcher dans la sainteté. Et vous serez saints. Parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu saint. Et j'ajoute, Dieu est saint. Dieu est esprit. Il faut tout ce qu'il adore, t'adore en esprit et en vérité, et avec crainte. Ne prenez pas la louange comme un jeu de marelle, un jeu enfantin. Pas faire des ordres la donne. Pas dit, c'est sous prétexte de louer l'Éternel. Puis, nous faisons suivant Jean, volonté nous fait. En plus, fois,
volonté bon Dieu par là-dedans. Matin, à travers somme ça, à travers sujet ça, pendant qu'on a inculqué la notion de la crainte, on a dit la louange, comment ça se fait? C'est fait par le respect pour Dieu, les bien-aimés. Il faut cultiver de la crainte pour Dieu. Est-ce qu'il accepte la louange? Si nous pas fait comme ça, avec crainte, il pas accepter louange nous. Moïse, c'est qu'on enseigné. Jean, n'a tenté de mettre sujet au matin, n'a débattu. Il y a Moïse, c'est qu'on enseigné peuple Israël, la crainte de l'Éternel. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? C'est la grande question. Si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Moïse, c'est qu'on parle avec le peuple-là pour nous servir, mon Dieu, à tout cœur, à toute âme, et de toute ta pensée, en Deutéronome 10, verset 12. C'est que Dieu nous demande, en termes ça, matin, c'est de cultiver la crainte pour lui en le servant. Louer Dieu avec crainte. J'aime d'ab dit nous, les noms d'un carnaval, n'ab défouler nous, n'ab boire bien nos sous. Mais les n'ab louer mon Dieu, c'est différent. C'est de glorifier Dieu, de dire à Dieu comment il est bon, comment il est digne de gloire. Contrairement à moun, nous voyons qu'il fait Jean de Baïsaïo. Et parfois, nous voyons différence tellement grand, en plus fois, nous avons gardé louange. Pendant nous avons gardé, nous voyons Jean moun ap déambulé, ap servir l'Éternel, sacratif, sous prétexte ap louer Dieu, mais nous avons gardé, nous voyons que quelques bons louanges, nous voyons moun yo ap versé de l'âme, c'est l'âme aux yeux. Nous voyons moun yo connecté, ap louer mon Dieu. En dimension. Et parfois, c'est lui-même accès à qui connaît. Bien nous connaissons chanter là. C'est le moins. Qui connaît pour qui m'a ploué, m'a chanté. Et mon yon connaît en dimension, yon connecté. L'Esprit de Dieu peut nous couvrir. La louange demeure quelquefois un secret. Et j'aime dire nos matins, c'est un devoir. Mais il faut haïr le mal. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous possédez la sagesse d'en haut? Amen. Ecclésias, il y en a un, Salomon, verset 12. J'aime d'abdi noir, il était conclu discours là. J'en ai dit, écoutez ceci. Crains Dieu et observe ses commandements. Car, c'est que nous devons faire, pour tout le monde capable de faire. Bien crainte pour mon Dieu. Ça ne veut pas dire pour nous gagner. C'est peur pour nous peur. Avoir peur, il nous blesse, il nous juge, il nous sanctionne, il nous condamne. Et c'est un bon Dieu. Ça que nous voulons dire, bon Dieu. La crainte de l'Éternel signifie. La crainte de l'Éternel signifie que vous suivez ses voies, vous admettez son autorité à toute chose. Acceptez les ordres de Dieu. Un sage là, demandez-nous pour nous faire lire. Les ordres de Dieu. Appliquez-vous. Principio. Parce que c'est lui qui craint l'Éternel. Il possédait déjà une grande confiance. Car cette crainte entraînait en nous l'obéissance. Maintenant, on voulait dire à travers ce sujet ça. La crainte de Dieu signifie que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Mon Dieu noir, ce n'est pas un tonton macoute. Ce n'est pas un monde qui vient faire peur. C'est un coup
Je nous dis, c'est un cours son feu dévorant. C'est un cours pour monde qui, les techniciens en électricité, ouais, parfois, je nous ai défini l'électricité, c'est comme un phénomène invisible. L'utile, c'est vrai. Il va pas commencer en pile chauffage. Les nos chauds, ici, au démarrer, ventilateur, au bas, nous, bon petit vent. Et c'est à l'aide de l'énergie. Ça fait. À l'aide de l'énergie puissance qui dégage dans un moteur, un appareil à fourni. C'est presque le même genre avec Dieu. Où est fil là, où est haute tension, il y a des fois, il y a tellement, il y a porté de haute intensité, à y a isolant kakembe yo. Il y a des porcelaines qui ont mis sous yo, qui ont chauffé, qui ont éclaté, qui ont porté fil là tout ou ni. Et pourtant, il y a un potentiel là-dedans. C'est comme mon Dieu. Il est utile, il bail tout bon service. Mais, là, on regarde des phénomènes invisibles. Si on ne pas manipuler avec soin, avec règle, avec méthode, ou dans toute étude de l'électricité, il a développé plusieurs lois des grands physiciens qui étaient des formules pour techniciens qui ont servi. En pile, monde mourit. Parce que phénomène invisible, ça, il cause des grands ravages lorsque nous pas respecter certaines règles pour nous manipuler. Il détruit. Mais c'est même genre. Pour Dieu que nous parlons. Il a demandé pour qu'il y ait créatif pour lui. L'on va observer la crainte de l'Éternel. Ou qu'il a subi plusieurs préjudices. Ou qu'il a mouru. Un pile malheur qui est arrivé. L'on va avoir crainte pour l'Éternel. Et nous, on dit seulement. Je montre comment bon Dieu était, mais il vient assouplir avec le temps. En pile fois, devant quoi pareil qui dangereux, je mettais danger de mort, je mettais en tête mort, je mettais en notice, je mettais en avertissement. Mais maintenant, c'est Bible à nous gagne comme notice. C'est Bible à nous gagne comme avertissement. C'est ligne gagne comme boussole. C'est ligne gagne comme Bible. C'est ligne gagne comme guide. Demandez-nous. Nous avons la crainte pour qu'aucune chaîne puissance ça. C'est l'Éternel des armées. Maintenant, nous voulons dire, ou même qui t'es peur, bon Dieu, nous ne pensons pas la peur, mais nous créons la crainte de l'Éternel. Jean Salmis l'a dit, Jean Sage l'a dit, que c'est le commencement de la sagesse. Et parfois, il y a pile l'erreur nous fait, c'est parce que nous manquons de sagesse. En pile fois, nous échouons. C'est parce qu'il n'est pas sage. C'est parce que règle jouette là par respecté. Mais tout le monde qui a la crainte pour mon Dieu, qui a la sagesse pour mon Dieu, la crainte de Dieu signifie, ça le signifie. La crainte de Dieu inspire nos confiances. Et notre confiance en lui est en progression chaque jour. Et nous, ça, nous capables de témoigner ça. Plus que Dieu nous donne son inspiration, plus nous avons de la crainte pour mon Dieu. En Somme 24, en Somme 22, verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Carrément, nous accordons plus d'importance à la louange. En vie, nous. J'aime t'abdi dire nous. C'est le ministère nous pourrons pratiquer pendant toute la vie. Et puis, qu'on y a là. Pendant nous avons loué l'Éternel. Pendant nous avons aimé. Pendant nous dit nous aimer mon Dieu. Pendant que nous voulons dire, nous voulons suivre mon Dieu. Mais, dans le service, dans le louange, il y a un peu de crainte. Vous louez Dieu. Peut-être c'est la meilleure façon. C'est pas seulement en dansant, mais en contemplant sa grandeur, en contemplant la magnificence de l'Éternel. Pendant qu'on a loué, pendant qu'on a cultivé craintif, nous voulons dans notre dimension pour nous louer, Seigneur.
pendant que crainte là dans tête nous n'a danser j'ai envie dire n'a suivre dans ma côte nous n'a danser pour l'immensité de sa grandeur pour ça que bon Dieu représenter pour ça qu'il fait pour ça qu'il gagne dans plan pour le faire pour nous mais si vous pas gagne la crainte c'est ouais mon a béni c'est ouais moun non dimension ou moun qui entre dans l'évangile là après ou qui est en devancé ou parce que lui-même il est en conformé mais ou même qui propose gros rochou qui pensait que ou ancien ou tellement ancien même limon poussé sous l'eau ou connaît ou pas gain respect pour mettre là ou café sauvelé là on dit camper c'est camper là on dit prier là on dit telle là c'est telle là matin, on cherche la face de Dieu. On cherche cultiver la crainte. Bon Dieu, pas manquer, pas prouver nous. Il pas manquer, pas exhorter nous. Et en pile fois, nous t'a gagné temps. En pile monde là, Covid pas attaqué. Ça pour dire, si c'est parce que c'est pas crainte ou gain pour bon Dieu, on dit non. Même j'ai été qui a. C'est vitesse ça, il était marché dans la crainte. Il était marché avec fidélité. Il était marché avec une quiétude d'esprit, avec une sincérité de cœur. C'est ça que vous mettez là. En pile fois, vous connaissez le progrès que vous avez fait avec la monnaie que vous avez touché, avec la ça que vous avez dans la main. Vous prospérez par son paquet de monde qui a touché par ses superviseurs. Parce que lui-même, bon créatif, li pas gagné, bon gens li dépensé, ou même ti ça ou ap touché, bon Dieu getan ouais, ou son monde qui gagne créatif sous lui, ça pas gagné médicament la donne, ça pas gagné l'hôpital la donne, ça pas gagné prescription qu'a exécuté, bon Dieu passé avec vous. Pour seulement parce que vous gagne créatif ou bon Dieu, parce que bon Dieu pour Dieu de désordre, ou conformé ou. Amen. Maintenant, pour y aller. On va le finir. On nous dit, un psalmiste nous dit, à vous qui créez l'éternel, louez-le. On a qu'un apkin tivé au sentiment des cœurs. Un ap loué, un ap dansé. Devant sentiment, devant immensité, grandeur, nom ça. Atéen. Ouvrez à bon Dieu, l'on a pleuré. Ouvrez à Dieu notre reconnaissance. Ouvrez à Dieu notre gratitude. Fait sentir à Dieu que nous l'aimons, que nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait pour nous. Fait tout effort nous. Ou même, il y a crainte pour l'éternel. Et que même bon Dieu ça, il y a crainte pour lui. Qu'il bénisse, qu'il vous accorde sa grâce pour avoir la crainte. D'abord, rendez-vous pour l'autre semaine. Parce que moi, fait commencer. Et c'est moi, la crainte de l'éternel. Et que bon Dieu bénisse. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Bon dimanche dans le Seigneur.